Bien triste nouvelle pour les Ribeiros, qui vient de perdre une personne de sa famille, comme elle l'a indiqué ce 30 juin. La femme de Joachim Noah s'est longtemps épanchée sur Instagram, avant de recevoir le soutien de son amoureux. Si est-il le genre de message que l'on aimerait ne jamais avoir à lire, mais malheureusement les Ribeiros est en deuil. La femme de Joachim Noah, avec laquelle il s'est marié lors d'une somptueuse cérémonie au Brésil l'été dernier, vient d'apprendre le décès d'un proche. Sur son compte Instagram, le sublime mannequin de 32 ans a partagé la douloureuse nouvelle à sa communauté. La jeune femme a perdu son grand-père, qui s'est éteint il y a quelques heures. Ce vendredi 30 juin, les Ribeiros a publié un message poignant où elle évoque la mort de celui qu'elle aimait tant. Les dernières 48 heures ont été difficiles. Je n'avais jamais perdu quelqu'un d'aussi proche, déclare-t-elle en préambule d'un très long message, qui accompagne une série de photos d'elle avec son grand-père, qu'elle a accompagné jusqu'au bout. Je suis coincée à essayer d'écrire mais je ne peux pas, la poitrine serrée, la respiration difficile. Je veux me souvenir de toi comme tu as toujours été, fort, déterminé, joyeux. Si est-il l'image qui me reste en tête, poursuit le mannequin brésilien, qui a beaucoup de mal à contenir son émotion à l'écrit. La belle-fille de Yannick Noah se remémore ensuite les nombreux souvenirs qu'elle a partagés au cours de sa vie avec son grand-père. Je n'oublierai jamais tes enseignements, ta foi inébranlable, ta joie de vivre et ton côté aventureux dont j'ai hérité avec fierté, raconte les Ribeiros, avant de conclure. Repose en paix. Tu es parti et il reste de la nostalgie et les meilleurs souvenirs que j'ai jamais eus, car au bout du compte, ce qui compte ce sont nos expériences et nos souvenirs. Je t'aime grand-père. Joachim et Yannick apportent leur soutien à les Ribeiros, un très beau message de la part de la jeune femme, rapidement confortée par son mari dans les commentaires. Je t'aime. Toutes mes condoléances à la famille Pereira, écrit-il sobrement. Yannick Noah de son côté lui a envoyé une série d'emojis, dont un cœur rouge, un trèfle à quatre feuilles pour lui porter bonheur et des mains en train de prier pour son défunt grand-père. Un bel hommage de la part du clan Noah, qui montre tout l'amour qu'il porte à les Ribeiros,